prend une poupée bébé LOL Sisters. Maintenant, il a un joli visage. Ajoute des cheveux colorés. Notre bébé a des croix rouges sur sa couche. L'aventure de Rita commence dans le monde de Toca Boca. Elle était à la maison avec sa nounou. Il y a bien longtemps, dans un royaume très très lointain. Oups, la babysitter s'est endormie. Deux crumpets vont rendre visite à leur ami. Epst, on devrait faire des bêtises. C'était trop marrant. Je suis super fatiguée maintenant. Piou, le bébé s'est profondément endormi. Ce conte de fées eut un effet magique. Découpe une feuille en carton. Plie une boîte. Ajoute des yeux. Dessine un museau. Ce chaton a quatre pattes. Rita adore son chat. Viens, on va s'entraîner. Qu'est-ce que t'en penses? Rita voulait apprendre des tours à son chat, mais ça ne lui plaisait pas beaucoup. Suis-moi, allez! Boum! Rita n'arrivait pas à attraper ce vilain garçon. Et elle était triste maintenant. Son minou lui promit de faire mieux la prochaine fois. Mais pour l'instant, ils vont faire la paix. Un oiseau a fait son nid. On va emprunter un peu de paille pour notre épi de maïs. Enfile les grains dessus, comme ceci. Ajoute une queue. Enveloppe-le dans du papier crépon. Le maïs, c'est délicieux et bon pour la santé. Du temps a passé et Rita grandit. J'adore le maïs, c'est une belle récolte. Je vais le cuisiner. Oh, une nouvelle vidéo, la Lilou! Je vais la regarder tout de suite. Oups, elle a été un peu trop distraite. Et son maïs est devenu du pop-corn. Waouh, c'est encore plus cool comme ça! Rita mangea tous ses pop-corn croustillants. Mmm, yummy! Oh, j'aurais dû en laisser pour les crumpets. Un camion nous a livré des matériaux. Découpe un fond en carton. Ajoute des planches en bois tout autour. Dessine des vis. Oh, ces roues vont être utiles. Fais un guidon avec du fil de fer. Cette voiture magique est très facile à utiliser. On va aller faire un tour avec Rita. Oh là là, je m'ennuie. Je pourrais manger, faire du skate, prendre un selfie. Je dois vite trouver quelque chose d'amusant à faire. Elle décida de fabriquer sa propre voiture. Je vais faire une voiture avec des bouts de bois. Je vais t'aider. Super! Prends tous les morceaux de bois. Mais ce paresseux n'était pas très utile. Alors qu'il se demandait par quoi commencer, Rita construisit sa voiture magique toute seule. Magnifique! C'est parti! Oh, elle avance pas, j'aurais dû penser à ça. Hé! Utilise ton imagination! Mais oui, mon imagination! La voiture décolla dans le ciel. Et maintenant, elle parcourait le monde. Réveille-toi, la marmotte! Hein? On est où? Oh, tout ça n'était qu'un rêve? Mais alors, d'où vient cette photo de son voyage? Fais une boule de pâte à modeler. Torsade le goulot. Fixe une bulle de blister dessus.
peint des rayures sur un bâton. Ce robot Shake est trop mignon. Rita s'est arrêtée dans son robot café préféré. Un robot Shake, s'il te plaît. Va t'asseoir à table, s'il te plaît. Mais le paresseux prenait trop de temps à servir les clients. Rita était à bout de patience. C'est prêt maintenant? Juste une seconde. Rita partit danser. Et maintenant, mon robot Shake? Presque. Rita fit du skate et... Ah, mais bouge! J'ai attendu ce Shake depuis tellement longtemps. J'espère que le cocktail est offert par la maison. Hello. Les années ont passé et Rita a vieilli. Efface son maquillage. Mélange de la pâte à modeler pour obtenir du turquoise. On va changer sa coiffure. Découpe le patron d'un short. Coupe les parties ensemble. Wow. Peins des croix sur du tissu. Coupe des chaussettes hautes. Ajoute des baskets bleues à ses pieds. Rita est une vraie beauté. Un chat était coincé dans un arbre. N'aie pas peur. Oh! Rita tomba dans un buisson. Le chat allait bien, mais son bras lui faisait mal. Oh, c'est douloureux. Je vais aller à l'hôpital. Elle portait un plâtre maintenant. Mais elle n'était pas du genre à se laisser décourager. Oh, des enfants avec des feutres. Eh, vous voulez décorer mon plâtre? Ça rend super. Merci, c'est vraiment mieux comme ça. Le chat remercia sa sauveuse. C'était une super journée. Décore des disques en plastique. Ajoute un rebord. Fixe les disques sur un axe. Fabrique un siège. Ajoute des accoudoirs. Attache les roues sur du fil de fer. Fabrique un fauteuil roulant. Ce sera beaucoup plus simple de déplacer les patients avec. Rita est arrivée à l'hôpital. Miranda, t'es tombée toi aussi? Regarde ce super fauteuil! Waouh, on fait la course? Les filles roulaient à toute allure. Comment tu trouves mes roues? Waouh, elles sont sacrément rapides, dis donc! Tape là! Elles se rendirent à l'hôpital ensemble. L'hôpital, c'est plus si déprimant quand on y va avec une copine. Les années ont passé. Sculpte un visage ridé avec de la pâte à modeler auto-séchante. Couvre-le des derniers ongles. Peins le visage. Ajoute un chignon. Maintenant, elle a des cheveux gris. On va coudre quelque chose de joli pour grand-mère. Fais une jupe noire. Elle est très confortable. Ajoute-lui de grandes chaussettes. Rita porte des Uggs en fourrure. Cette mamie aime son confort. Mais parfois, elle aime aussi se défouler. Rita conduisit jusqu'à l'aire de jeu. Je me suis tellement amusée ici. Bonjour, regarde-moi faire du skate. Oh, bien joué!
Laisse-moi te montrer ce que je sais faire. Sacrée figure! Puis, elle jeta sa balle dans le panier. Waouh, je sais pas faire ça, moi! Rita est vraiment pleine d'énergie pour son âge. Enveloppe les pieds dans du papier d'aluminium. Forme une chaussette. Fixe la lame sur les patins. On va pouvoir aller sur la glace. Grand-mère, viens, je vais te montrer quelque chose. Elles se rendirent alors à une patinoire. Je me souviens, quand j'étais jeune, j'adorais faire du patin à glace. Je reviens tout de suite. Hey, où tu vas comme ça? Mamie, je sais combien le patinage te manque. Tu veux réessayer? Oh, je me souviens même pas comment on fait. Allez, tu peux le faire! Ok, je vais tester. La grand-mère reprit rapidement confiance sur la glace. Et elle faisait déjà des figures super cool. Wow. Merci, ma puce. C'est l'un des plus beaux jours de ma vie.